merci. De notre part à tous. Il faut partir. Tant que nous n'allons pas dans un endroit qu'on pourrait associer à toi, nous serons tranquilles. Et pour Ron ? S'il voulait revenir, il l'aurait déjà fait. Nous devons partir. La forêt de Dean. Mes parents m'ont emmené camper ici. Il y a longtemps. Installe le campement. Je vais faire une ronde. Non! Reviens! Thank you.
Alta! L'épée de Gryffondor. Mais t'es dingue! Pourquoi tu l'as gardé sur toi? J'ai bien fait de suivre ton patronus. Pourquoi t'as plongé là-dedans, espèce d'imbécile? L'épée de Gryffondor. Ce n'était pas mon patronus. Celui qui l'a laissé devait vouloir qu'on tombe sur l'épée. Il faut qu'on détruise le médaillon. Fais-le. Quoi? C'est à toi de le faire, Ron. Je le sais. Au moment où il s'ouvre, prends l'épée et détruis-le. À trois. Un, deux, trois. Ron, il ment. Le, tue-le. Pourquoi? Désolé. Désolé d'être parti. Tu t'es fait pardonner ce soir. En cherchant l'épée, en détruisant leur crux. En y pensant. Il n'en reste plus que trois. Après ton départ, Hermione a pleuré. Allons au camp. Elle voudra te voir. Pardon d'être parti. Je voulais pas vraiment le faire. Ce Horcrux m'a joué des tours. J'y étais plus sensible que toi ou Hermione. Je me sentais mal. Je broyais du noir. Je dormais dans un petit pub quand j'ai entendu la voix d'Hermione. Et la tienne, qui m'appelait. J'ai allumé le déluminateur et cette petite bille de lumière est apparue. C'est pas cette petite... la voix d'Hermione. Impedimenta!
Delta! On va faire du bruit, ou on va se faire aplatir. Stupéfix! Ah, trop mignon, c'était des sorciers! Stupéfix! Il fait...